Hybridation. Hybridation en biologie, croisement entre deux individus de taxons différents tels que le définit Wikipédia. Et oui, tu es bien dans The Big Game Mouski, il est bien 19h, et il est bien l'heure de retourner se taper un petit jeu. Et ce sera exceptionnellement une pas nouveauté. Ah oui, j'en ai marre de dire que c'est un shmup. Donc ça va être un shmup et on va retourner un petit peu dans les choses vintage puisqu'on va se retrouver en 1989. Et en 1989, nous allons être mis en face d'une improbable hybridation. Vous êtes-vous un jour demandé ce que donnerait le croisement farfelu entre Outrun et Space Harrier? Oui, vous êtes vraiment des malades. Night Striker, c'est le jeu qu'on va tester ce soir. Et on va voir ce que ça donne. Parce que c'est exactement ce que je viens de vous décrire. C'est l'hybride idéal, entre guillemets, hein, je ne sais pas, entre Outrun, donc le jeu de bagnole, en pseudo 3D, et Space Harrier, le jeu de shoot, en pseudo 3D. Je rappelle pour les plus jeunes que la pseudo 3D, c'est parce qu'en fait, à l'époque, on ne savait pas manipuler des objets en vrai 3D. Et pour les afficher très très vite, malgré les limitations du matériel, c'était beaucoup plus simple de prendre des sprites tout plats qu'on dessinait et sur lesquels on zoomait. Ou alors qu'on animait avec quelques frames, mais sans vraiment trop se casser le but. Et c'est exactement le principe qui est repris dans ce jeu. Vous voyez la perspective, comment elle est foutue? C'est des plans 2D qu'on vous fait avancer comme ça en zoomant dessus. Et n'empêche, ben ça en 87, ben ça envoyait quoi. En plus des obstacles, des effets avec l'eau et tout ça. Bon, la palette un poil terne, mais je crois que point de vue couleur, hein, bon, on est toujours en 16 bits, donc hi. Même si, oui, on peut même dire qu'on est chanceux si on est en 16 bits quoi. Wally Walou, vous n'en pouvez plus, vous non plus, vous en avez marre de mon blabla, vous aussi. Bon, on fonce dedans. Oh putain, j'ai peur. Mais quelle intro, mes amis. Alors, remplacer la route par tout l'écran. Ou remplacer le guerrier par. Ouh, les commandes sont inversées. Ou remplacer le guerrier par un véhicule. C'est au choix. Ça va barder. Je suis l'aigle de n'importe quoi, et je fusille tout ce qui passe devant moi, et je fais des rêves. Non, je fais des vers, parce que c'est beau la guerre. Et voilà. Nous allons tenir tout un stream en faisant de la poésie, qui n'en est pas d'ailleurs. On pourrait appeler ça communément de la poésie gogo, hein. Ça ressemble pas mal. Je suis dans le sky. Alors, est-ce que les buildings, ça compte comme obstacle? Ou je rebondis comme une merdouille dedans? Non, je pense pas, parce que là, il m'a mis un petit pont quand même. Et oui, c'est un terme technique sportif que j'ose utiliser, mais c'est pas grave. Ah, sors de ce corps, Jean-Pierre Marquet. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, on reconnaît les boss avec leurs tirs bien ovales de Space Harrier. Mais du coup, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Une surprise totale. Je vais pouvoir choisir mon chemin et donc ma destinée. Allez, merde. J'ai rayé la peinture en voulant choisir un petit peu trop violemment ma destinée. Et là donc je vais sortir du tunnel du Mont Blanc et arriver en Italie directement. Où je rencontrerai machin. Oulala, oulala. Oula mais. Ça va barder. Je suis pas du genre à. Aïe, quiche. Ça passe. Ça passe toujours. Ça passe encore. Ça ne s'arrêtera jamais de passer. J'ai la volonté toute puissante. Alors, je suis en train de me poser la question entre deux conneries. Ah. C'est fait. Je me demandais si c'était pas comme un certain jeu de. Oui. Oui, mais c'est comme on a versé. Et oui, j'ai une bonne excuse. Si c'était pas sur une.
s'il n'y avait pas une version borne avec un siège et carrément une manette à casse, quoi. Je me demande. Toi, t'es quand même échappé directement de chez Space Harrier, mon kiki. Hein. On s'est déjà vu. On change de couleur en plus, au fur et à mesure que ton caisse s'étire. Ne me prends pas pour un amateur. Attention le tunnel. Ne racle pas la peinture. À gauche cette fois, hein, soyons équitables, parce que les gens après vont croire que j'ai des parties pris. Oh, ou au milieu. Je peux encore changer ? Non, je voulais l'autre côté en fait. Je peux faire une marche arrière ? Non, bon, d'accord. Oula, 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 ça se corse. Mais quel blagueur ! Fiche ! Bon alors sur les murs, je pense qu'on est un petit peu plus vif quand même que la version arcade. Parce que ça se coupe pas mal. Fiche Lorraine. Oui ben mon shield doit pas être beau, je sais, je sais. Essaye de conduire bourré, j'avais dit en début stream, hein, je suis bourré. Non je plaisante. Ne buvez pas, c'est mal l'alcool. Ne fumez pas. Ne baisez pas. Bref. Restez devant les écrans à regarder les conneries des lieux, c'est pas mal. Ah. Sors de score. Sors de score, Luke Skywalker. Moi j'étais en mode Luke Skywalker là, et j'attendais désespérément la trappe à viser. Le reste on s'en fout. Vas-y, j'ai déjà vu le film, c'est bon, on voit la trappe. Quoi, c'est pas le bon, merde. Comment je vais faire moi? Alors, c'est l'instant gerbouille, parce que apparemment c'est très très rigolo de vous brinque-baller dans un boyau, on va dire. J'espère que c'est ça le boss, parce que si il faut attendre que je sois sorti du tunnel, que j'ai tout éradiqué, oui, c'était ça le boss. Hey, si je choisissais mon destin. Ouais, choisis ton destin. Non, moi je vais là-bas. Là-bas. Là. Bah, mais deux fois. Regarde. Une fois là. Et encore une fois là. Moi je vais aller sur J. J. Non mais je vais inventer des trucs pour faire bugger le programme. Mais bah, je t'ai déjà vu toi. Ouais, tu la veux ta guerre, toi. Tu la veux. Alors du coup, depuis le début du stream, vous me dites, mais monsieur K, monsieur K, d'habitude dans les streams, tu nous dis ton avis. Alors, c'est pas qu'on s'en fout, mais cette fois-ci, si on est venu regarder ton stream, c'est pour savoir ce que t'en penses de ce jeu. Eh ben, je crois que vous l'avez compris. Quand on fait partie de ces gens qui ont été nourris, bah, entre autres par ces deux bornes que sont Saint Outrun et Saint Space Arrière, je vous garantis qu'on a un petit peu de mal, bah, vous voyez, à ne pas accrocher au truc. C'est con, c'est basique, ça vieillit, donc ça a une maniabilité assez hasardeuse. Comme vous pouvez le voir, mais je joue un peu mal de toute façon. En racontant ma vie, et c'est juste parfait. Bref, je vous disais. Bah, le jeu est terrible, quoi. Le jeu est terrible. On a l'impression de faire de la course comme dans Outrun, à part qu'il n'y a personne à rattraper. Et si on rattrape trop, ça s'appelle des pruneaux et on les prend dans la gueule. Je pense que j'ai bien résumé. Piu piu piu. On manquerait peut-être juste une petite super bombe des fois au cas où il est. Qu'est-ce que c'est? Et t'es venu avec ta cuisine? Oh, c'est non. Bon, Don't be evil, c'est tonton, tu m'as dit ça. Tu m'as dit, ouais, les méchants, quand ils sont méchants, tu leur dis, don't be evil, ça marche. Alors, du coup, ils vont vite regarder dans leur navigateur s'il n'y a pas trop de cookies. Et bon, je pense que c'est un autre truc, ça aussi. Infirmière? Non, pas le vaccin anti-JDG. On va prendre autre chose aujourd'hui. Je parle un truc. Ah, mais ça a l'air rigolo. Comment ça se met sur la langue? Ok. Mais c'est pas bon. Comment ça, les aspirines, il faut les dissoudre? Oui, bah, c'est pas marqué dessus. Hein. Et là, j'en vois dans le chat. Je vous vois.
Je gère. J'ai la force avec moi, regarde, les yeux fermés. En bas, en haut, en bas. Attends, on va mettre des tourelles. Facile. Mais je bouge pas de ce couloir de toute façon. Moi je suis bien. Piou, 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 piou. T'as vu le. T'as vu la souplesse? Aïe. C'est bon, je peux planer jusqu'au boss là. Ça passe. Un tank dragon à lunettes et double injection d'ailleurs, on voit ce qu'ils font en 2 V8 hein, quand ils utilisent. Ah, mais il n'est pas tout seul, il y a aussi des lunettes, ça coûte. Il s'est senti obligé. Hein. Espèce de sinistre, méchant, pas beau vilain. Voilà, ton compte est arrivé. Alors, peut-être que le jeu est un peu trop facile, j'en sais rien. Parce que j'arrive pas à me rendre compte du coup là. On est très bien là. Bon, t'es comme Big Gamowski. Et oui, The. J'arrive toujours à rattraper de toute manière les conneries que je raconte. Piou, piou. Ah, nous allons contre la valise en carton. Alors, je sens que ça va être salé là. Tu as. J'ai une transmutation. Je suis Afterburner. Mais j'ai une compil Sega en fait. Et alors, cette musique de la victoire, là, les enfants, franchement, comment ne pouvez-vous pas découvrir vos premières érections avec ça? C'est pas possible. Oubliez les filles. Oh, je l'avais esquivé, celui-là. C'était juste un petit leeching pour recharger mon bouclier. Non, je confonds encore. Oh là là. Attention à la passerelle, madame. Oui, c'était une passerelle. Alors, ce qui aurait été rigolo, c'était qu'ils mettent un avion ou un vaisseau, je sais pas, rouge, décapotable avec une bombe. Ça aurait été la classe ultime. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et ça n'aurait pas fait rigoler tout le monde. Hein. Oula, 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 j'ai pas suivi ce que je me prends dans la tronche là, mais ça fait une déculottée en termes techniques. Hein. Parce que autant j'étais à peu près honorable sur les niveaux précédents. Et là, j'ai fait de la merdasse. Alors, je suis assez persuadé que ce jeu se joue en cabine. Parce que les contrôles au pad sont super pénibles pour arriver à garder un cap constant. La valise! La valise RTL! Ah non, c'était pas des bonus, ok. Non, mais j'ai dit que la prochaine fois que tu dis. Oh, mais regardez lui. Il n'y aura pas vivant. Ah bah, ça, c'est sûr. Trois séries. En fait, lui, il faut bouger avant qu'il tire, quoi. Parce que c'est. Pas très jouable. Je m'en fous, j'ai la musique du winner, j'ai cramé tous mes crédits, et j'ai remis un crédit juste pour voir la fin, et j'ai pas l'air d'un abruti. Comme ça, je peux frimer devant ma copine. Copine? Merde, elle est partie. Reviens! Oui, non, mais on va aller chercher des fleurs maintenant. Mais regarde, c'est trop bien ce jeu. Ça sent le vécu. Donc, voilà pour cette petite merveille que je tenais à vous partager, qui nous fait vraiment remonter dans cette période pure arcade, pur jus, sans artifice. Les gens sont là, ils ont encore tout à inventer en gameplay. Ils créent des trouvailles assez incroyables pour arriver à faire croire qu'un jeu fait de la 3D alors qu'on a des pros pathétiques qui se traînent à 8 MHz. Que vous voulez vous demander de mieux, vraiment, vraiment. Donc, vive les années 89, ça.
Les remerciements sont vachement bien. Au moins, c'est résumé à la perfection. Eh bien, merci à toi, Night Machin. J'ai déjà bouffé ton nom d'ailleurs. Faut pas qu'on l'oublie quand même, parce que tu es sélectionné. Eh oui, tu es sélectionné. Tu es allé bien au chaud parmi ces choses qu'on aime garder pas trop trop loin, parce que c'est quand même super chouette d'avoir croisé ce genre de jeu avec toujours, oui, la 3D, la 3D, c'est fantastique. De toute beauté. Eh bien non, nous ne pousserons pas le bouton. Vous avez fait un run complet. Si vous voulez voir les autres embranchements, eh bien, il va falloir vous procurer ce jeu et l'expérimenter par vous-même. C'est fait pour. Goodbye, Night Striker. Un très très bon jeu, donc, qui a été un grand plaisir à vous présenter. Comme tous ces streams d'ailleurs, ceux de The Big Gamoski en général. Et ceux consacrés plus particulièrement au shmup. Faites votre choix, choisissez votre torture. Vous avez de quoi vous occuper avec au moins 150 épisodes par sélection. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain, 19h. Ciao!